Salut à tous. Donc voilà, comme prévu, je suis de l'autre côté de la forêt. Je me suis un petit peu fait ruiner la gueule, comme vous voyez. Bon, bah, pour une fois que les plantes vont servir à quelque chose. Et merde. Donc oui, j'en ai un petit peu marre des combats. Je m'en suis tapé pendant toute la forêt là. De toute façon, là, les ennemis sont achetés. Vous voyez, ils arrivent même pas à me toucher. Et on retourne donc au village de... Mais oh là putain. On se prend un Yeti Strike dans la gueule, je le sens. Ah voilà. Donc on retourne à Karn. Voilà. Ok. Donc on retourne à Karn. Je le refais. Voilà. Et on va retourner voir le grand-père. Je sais même plus si c'est le grand-père. Enfin bon, le vieux quoi, merde. Puisque maintenant qu'on a purifié le monde. Putain, mais c'est où? Ne dites pas que j'ai oublié de faire un truc. Ne dites pas que je l'avais déjà fait. Mais non, je l'avais pas déjà fait. Ouais, le mode Zécu et le papier Q aussi. Bon, chier, chier, chier. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, et après, c'est au. Je sais pas quoi, elle mettra. On fait plus trop en entier de la légende. Au milieu des ténèbres, un être, un truc comme ça. Ah, voilà. Donc. Ouais, rien que ça. Bon, bah, je vais me prendre un chocolat chaud et puis je vais sauver le monde après. Merde, j'ai pas lu. Oui, Horn. Donc la grotte de Horn, alors, si vous avez bien suivi le jeu, la grotte de Horn, c'est là où on est allé délivrer les enfants avec Salent. Voilà, parce qu'en fait on doit suivre les traces de notre mère pour la retrouver, pour faire comme elle et tout. Et vu qu'on est destiné à sauver le monde, voilà. On va pas refuser, hein. Animusu, c'est I ou Ni, je sais pas, ouais. Voilà. Oh putain, elle avait tout ça, là. Ah ouais. Ah mais je suis con, c'est vrai que c'est partagé. Non, c'est pas partagé, qu'est-ce que je raconte. Ah bah non. Ouais, c'est parce que j'avais fait toutes ces requêtes-là la dernière fois. Attendez, il y en manque, là. Mais comment il m'a... Attends, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'en ai oublié une là, j'en ai oublié une. Qui c'est qui est? J'ai oublié. Non, oui, c'est bon, 6. Bon, on s'en fout. Voilà. Ok, combien de pages déjà? Je m'en rappelle plus. Oui, parce qu'au bout d'un moment, hein, désolé, je serai obligé de supprimer certaines de vos requêtes. Hein. S'il n'y a que 4 pages. Voilà. Par scénario. Donc 12. Bon, je supprimerai les plus nuls. Hein. Qui servent pas trop quoi. Donc on doit maintenant aller à la grotte de Horn. Donc c'est parti. Allons à la grotte de Horn. Je sors par la gauche pour le fun. Ça sert à rien, c'est pas grave. Je sais plus comment on y va à la grotte de Horn. Prendre le bateau sûrement. Alors attendez. Bon, on va devoir retraverser la forêt, je crois. Il n'y a pas de bateau sur la gauche. Là. Genre on entend des bruits d'animaux. Ils ont dû prendre des maïs avec des OGM parce que pour faire des bruits pareils. Attends, comment on va là? Comment on sort de la ville par la gauche? Ah non, on peut pas. C'est par le haut en fait. Voilà. Voilà. Alors. Egg. Non, c'est pas egg, non.
Non, que dalle. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'il faut retourner à l'autre ville alors. Oh, excusez-moi, je suis perdu là. 300 secondes de vidéo à rien foutre pour l'instant. Pourquoi je vais là? Bon, allez. Ça me saoule, je vais buter un mec. Ah, au fait, ouais, je suis nouveau à fond là ou. Ah, je vous dis, ils ont tous des noms de. Ils ont vraiment tous des noms de. Des noms. Ils ont tous des noms, hein, les armes, les armures et tout. Iris, c'est un nom. Enfin bon, ça encore, ça va quoi, c'est pas que un nom. Mais bon, le truc s'appelle Denis quand même, c'est un peu con. Hein. Une auberge. Ça, c'est pas une auberge. Quoique, ça fait peut-être auberge. Oui, parce que là, je vais en avoir besoin pour traverser le. Non, mais ça c'est encore des conneries ça. Mais ça je m'en fous. Donc une auberge. De toute façon je ferai plus jamais de vidéo. Parce que si j'en fais une, de toute façon je la supprime. Je ferai plus jamais de vidéo comme avec le scénario de Silent où j'ai traîné pour rien là. Ça, je vais plus jamais voir ça. Hein. Parce que là c'était vraiment de la merde. Hein. J'avais pas avancé du tout dans le scénario quoi. Là, au moins, il y aura un dialogue, donc je la laisse quand même. De toute façon, je suis pas perdu, vous inquiétez pas. Je cherche juste une auberge pour me restaurer. Pas me restaurer dans le sens bouffer. Hein. Non, mais je m'en fous de l'élu. Même si c'est moi, c'est pas grave. Bon, il y a pas d'auberge donc. Alors ça c'est génial. Alors moi je sauve le monde et eux même pas de quoi bouffer. Putain. Pff, on s'en fout. Putain. Mais ils sont tous vieux dans cette ville ou quoi? Je m'étonne pas qu'il y ait des... même pas de. Il y a même pas d'hospice. Non, c'est un patelin de bouseux ici, y a rien quoi. Pff. Allez, merde. Une auberge. Auberge, putain. Ouais, mais c'est pas vrai. Hein. C'est quoi ça? C'est une auberge là? Non. Bon, bah, y a pas d'auberge. Génial. Ah, mais à tous les coups, on peut se régénérer chez machin. Voilà. Non, je m'en fous de ça. Oui, génial. Il n'y a pas moins de se restaurer quelque part là. Ah. Pas trop tôt. Ça marche pas. Mais c'est pas vrai. Oh non. Et comment je fais moi? Je suis dans la merde là. Vous savez quoi? Je perds trop de temps. Putain, mais. Eh, hey, mais je suis un salaud là. Le temps que je perds pour des conneries. Putain, elle est là l'auberge en plus. Oh putain, mais. Faut que je mette une poutrelle dans la gueule là. Si vous avez vu l'enseigne, vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'il fout la US Manier. Voilà. On va enfin continuer le jeu. Donc excusez-moi du désagrément. Hein. Donc on va hop passer par la forêt. Bon, je vais essayer d'esquiver un maximum de combats. Je sais que je perds de XP, mais dans la forêt, voilà, il y en a trop. Quoi. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour me perdre dans la forêt l'autre fois. Et... C'est vrai que des fois on voit pas le perso à cause qu'il y a des arbres, etc. Donc. Enfin, des arbres dans une forêt c'est un petit peu logique en même temps, vous allez me dire. Hop. Bon, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai envie de fuir. Ils ont pas l'air de trop m'en vouloir. Ouais, ça m'énerve la fréquence des combats trop. Allez hop.
Oh non! Ah, mais j'ai pas. En plus, je suis un blaireau, moi. J'ai toujours pas testé les sorts. Alors, on commence par lequel? Allez. Je fais pas par ordre de préférence, de toute façon. Attaque de terre, bon, ça va pas trop le faire. Attaque de vent. Attaque de con. Ouh là là, c'est trop cher. Attaque d'eau. De toute façon, ça ressemble à cette barbe, à mon avis. Attaque de. Y'a pas un truc sur tout le monde là? Ah, Piranha. Je vois ça attaque de vide ça. Ah, sympa ça. Alors, ça c'est vraiment bien foutu. Ah, bah, Panzer Tigre. Je sais pas si t'as fait exprès, mais elle est belle cette attaque. Ça fait un kanji en fait, enfin, un caractère japonais. Avec la magie du vide. Pas bête. En fait, je perdrais peut-être moins de temps à me faire les ennemis qu'à essayer de fuir. Quand il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il me cherche. Bon, il me cherche. Je vais à la bourra. Voilà. Une autre magie donc laquelle j'ai pas montré. Bon, j'ai montré quoi pour l'instant? Je vais montrer celle-là. Non, celle-là non. Si, c'est celle-là que je vais montrer. Attaque de terre, ça sert à rien puisqu'il vole, ah, je crois. Et hop, je vais montrer celle-là. Je vais montrer Megatama de Pikini. Pardon. Ah, sympa. C'est une espèce d'attaque de... C'est pas l'attaque de terre, ça? Ok. J'avais été sûr. Donc, Aoyama... ouais. Bon, je bouffe tout mes MP, on s'en fout. Ouais. Voilà, un petit coup de pluie. Et c'est vraiment fun, parce que même... Pour une attaque d'eau, bon, c'est un exemple, hein. Ils ont mis plein d'effets différents, quoi. Ils ont pas mis juste... pareil pour toutes les attaques d'eau, quoi. C'est ça qui est fun. Donc maintenant on doit aller au sud. Donc Garlil, je sais pas. Putain, ils ont mis tous les trucs en japonais quoi. Vachement utile. Pratique de lire. Vachement pratique. Donc maintenant il va falloir que je retrouve Garlil qui m'accompagne. Enfin je crois. Je vous dis, je me rappelle pas du tout du scénario de Rizer. Ouais. Enfin si, la fin mais le début. Ouais. Oui, bah effacer. Bon bah vidéo pas super. Tout ce que j'ai foutu. Me reposer et utiliser des sorts quoi. Ah bah y'avait pas de musique quand même. Bon. Ouais, pourquoi se faire chier hein, après tout. C'est vrai, pour... faire une composition d'une musique de 5 secondes, genre ta-na-na-na. Ah ouais, moi aussi je peux en faire de musique de sommeil aussi. Ah, ça c'est la gare, machin truc là. Voilà. Ouais. Lumière mage, non, là. Putain, tu l'as écrit toi-même, c'est vrai que c'est vachement dur. Hein. Avec un stylo et un bout de papier, c'est bon. T'sais. Bon alors, où est-ce qu'on retrouve Garlil? Je ne m'en rappelle pas du tout. T'es un bouffon ou quoi? Tu parles à l'élu là, alors tu parles en ce moment. Non, faut pas aller par là, je peux pas. Attendez, attendez. Tu fais une connerie là. Non. Ce que j'ai sur le jeu de Super NES, c'est qu'on sait jamais si on peut passer en dessous ou... Si c'est un mur ou un toit, le truc. Ah, c'est la génération 16 bits. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve ça autant de charme que de la 3D. Hein. Même plus, parfois. Parce que la 3D, c'est chiant, quoi. Faut toujours tourner la caméra de partout, là. On voit rien. Enfin, chacun ses avantages et ses inconvénients, quoi. Je sais plus comment il faut faire.
Oh bah ça, c'est mal parti, hein, putain. Alors, non. Bon. Je suis navré. Mais cette vidéo, c'est vraiment de la... Voilà. Vous pouvez compléter la phrase. Putain, je sais plus où est-ce qu'on retrouve l'autre con. Non, mais je crois pas qu'il faille, aller par là. Hein. Non, faut pas aller par là. Comment je peux être paumé dans une ville là, con? C'est la deuxième fois que je me paume ici pour... Alors que c'est simple quoi. Ah ben voilà, c'est là, putain. Pff, quel con, je savais qu'il fallait prendre le bateau, je l'ai dit tout à l'heure en plus. J'ai déjà vu, qu'est-ce qu'il me dit mais... Ah ben voilà. Je savais qu'il fallait prendre bateau depuis le début, je l'avais dit, et je... Ouais, ouais. Je vous rappelle qui aime Rizard. Hein. C'est énorme la touche du monde, le truc. Vachement discret, les gamins. Et voilà, Garlir et Risa, j'allais dire Rilia, d'accord, non Rilia c'est dans FF4, Garlir et Risa partir en quête de leur destinée. Enfin là ça fait trop la musique, elle m'éclate la musique. La musique est sauveur du monde, machin. Et nous voilà à Oryab. Nous sommes donc au troisième jour. Et là, voici le docteur Mioni. Mioni. Donc, si vous vous rappelez, avec le docteur. Dans votre salon, tu as été passé par là. Et le docteur Mioni nous avait laissé là. Donc voilà ce qui s'est passé pendant que Salant et tout le bordel était parti en bateau. Comment il sait que c'est sa mère? Mais qu'as-tu lui. Ah oui, bah oui. Il l'a reconnu grâce à son jade. Je me dépêche là, sinon je vais devoir mettre la vidéo en Creative Content, vu qu'elle est pas terrible. Énorme le truc, qu'on s'y attend pas, ça. C'est un taré en fait, ce mec. Bon, en fait, je vais vous quitter là, vite. Allez, salut!